Salut, c'est Fredenberger. Aujourd'hui, tu vas avoir la joie de découvrir la toute dernière Leia 2.0, la Leia Plaisir, à travers une petite mise en situation. J'ai un rendez-vous assez important la semaine prochaine et mon voisin Igor a bien voulu se prêter au jeu pour m'aider à... Attends. Pour m'aider en interprétant le... S'il te plaît, Igor, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi, en interprétant le client. Voilà, si toi aussi t'as envie d'intervenir, n'hésite pas à le faire en commentaire. Merci. Vous êtes sûr de vouloir balancer ça sur le net? Mais bien sûr. Pas de secret pour les followers. Tout le monde est prêt? Prêt. Ok. Alors, Igor, on va simuler une sorte de speed dating. Je veux rencontrer personne, moi. What? Je suis pas prêt à m'investir dans une relation avec une fille, Non. Non, Igor, t'inquiète pas, c'est un rendez-vous professionnel. Ouais, on a un gros client potentiel, là. Oui, la semaine prochaine. On doit s'entraîner, et toi, tu interprètes le client, et nous, on s'entraîne. Ouais, bah, enfin, surtout vous. Hein. Voilà. Ok. Alors, laissez-moi me présenter. Je suis Frédéric Enberger, et voici mon associé, Maurice Savino. Bonjour, monsieur Razafine Rassolo. Quoi, va? Mon personnage ne peut pas être malgache? Si. Si, si. Alors, laissez-moi vous poser une question, monsieur Ravici... Razafindrasolo. Alors, un patron malgache, c'est pas possible pour vous. Espèce de petit parisien. Mais qu'est-ce que vous pouvez être raciste, hein? Bon, allez, posez-la votre question. Pour vos patients en dépression, en burn-out, est-ce que vous aimeriez pas les aider à se soigner grâce à des tablettes, leur téléphone portable, leur smartphone? J'ai pas de smartphone. Recevoir de la 5G dans la tronche toute la journée, non merci. Non, attends, là, Igor, il va falloir que tu fasses un petit effort parce qu'on va jamais être prêt pour le rendez-vous de la semaine prochaine. Mais moi, je fais ça pour vous aider. Mais tu les aides pas du tout. Pas du tout. C'est pas de l'aide, ça. Parce que je suis pas connecté comme vous, je sers à rien dans cette foutue société. C'est ce que vous pensez? Non, mais faut le dire tout de suite, hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Dès que tu suis pas la mode bêtement comme un petit mouton, t'es has-been. Attends, Igor, rien à voir. Faut que t'arrêtes de te vexer tout le temps. Laissez-moi faire. On va se calmer, Igor, hein, ok? Comment vous disiez qui s'appelle votre... Vous disiez? Vous dites? Vous dites? Ouais. On est en direct. C'est vrai, c'est bon. Mais j'ai dit quoi? Disiez. Comment vous dites? Dites. Qui s'appelle votre personnage? Razafindrasolo. Monsieur... Razafindrasolo. Quand vous étiez petit, est-ce que vous pouvez me décrire la relation que vous entreteniez avec vos parents? Comment vous envisagiez la vie? Bah, c'était pas facile, quoi. C'était ma mère, surtout. De toute façon, mon père était jamais là. Elle n'arrêtait pas de jouer avec moi. Et de temps en temps, elle me donnait des bonbons à me faire vomir. Et d'autres fois... impossible de réclamer le moindre dessert. Et la viande. Mais je vous en parle pas, de la viande. C'est pour ça, avec les filles, ça a toujours été compliqué. Qu'est-ce que je suis seul? Alors, monsieur... Razafindrasolo. Nous avons la solution pour vous. Nous allons, grâce à Leia, vous aider à retrouver une vie épanouie grâce au plaisir. Ça a commencé au collège. Cette fille, Amina Lala, Razafindrasolo. Regardez, je l'ai encore dans la tête 30 piges plus tard. Qu'est-ce qu'elle était belle. On est sortis ensemble. Le temps que je retienne son nom par cœur, elle est sortie avec Louis Fontaine. Quelle ironie. Razafindrasolo. Rah, bah à la fin, tu vois, t'es solo. Alors, monsieur... Razafindrasolo. Monsieur... Razafindrasolo. Non, là, je crois qu'on l'a perdu, là. C'était ça ton idée pour vendre Leia, bravo. Ouais, ben on peut pas dire que vous avez fait mieux. Il me faut une fille. Igor, c'est moi, Leia. Le programme conçu par Fredenberger. Je vais vous aider à aller mieux. Igor, vous êtes une belle personne. La colère que vous exprimez parfois n'est là que pour masquer une grande générosité et une immense tendresse. Merci, madame. Appelle-moi Leia. Je suis ta nouvelle amie, maintenant. Tu me permets de te tutoyer? Oui, bien sûr. Tu peux me tutoyer aussi. Comment te sens-tu, Igor? Ça va mieux. Tant mieux. C'était le premier point de mon nouveau programme, Accro. Le A, c'est pour appréciation. C'est important de s'aimer. Et pour s'aimer, il faut flatter son ego. Et je suis là pour ça. Si tu souhaites acquérir un programme, je te propose de continuer avec le point C de consommation. C'est important d'acheter ce qui nous fait plaisir. Et toi, mon petit Igor, j'ai l'impression que ça fait très, très, très longtemps que tu ne t'es pas fait plaisir. Tu n'as pas envie d'un bon steak frites? Mais c'est dingue, votre truc! Mais ça marche super bien! Mais non, non, un steak frites, non, c'est pas raisonnable. Non, mais non, merci. Par contre, moi, je vous l'apprends, votre lit à plaisir.
Combien? C'est cadeau, on te l'offre. Allez, attendez, notre premier client, votre voisin, on lui offre. Mais attends, Maurice, c'est pas en faisant des cadeaux qu'on va s'enrichir. C'est pas un cadeau, là. C'est un investissement. Mais j'ai pas de smartphone. Bouge pas de problème. Tiens, cadeau. Bah oui, Maurice, notre premier client, notre voisin, on lui doit bien ça. Ah, c'est génial, j'adore. Raja Findra Solo. Bah voilà, vous venez d'avoir un premier aperçu de notre toute nouvelle Léa. Léa Accro. Alors Igor, en tant que tout premier testeur, qu'est-ce que vous pensez de notre nouvelle application? Oh, c'est génial, j'adore. On peut dire donc que vous en êtes accro? C'est éclatant votre truc, carrément accro. Est-ce que je peux avoir ça à la place? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si tu as aimé, tu peux mettre un petit pouce bleu. Continue à t'abonner sans oublier la petite cloche. Et puis, tu feras comme tu veux, de toute façon.